Quand on vient de Fall River, on est forcément passé par la case prison. C'est comme une réunion d'anciens élèves. Ah, je t'ai pas vu depuis longtemps. Ouais, j'ai joué aux cartes pendant un moment. Here in Fall River, we're very proud of our achievements. And every year, right here on the waterfront, we bring together hundreds of volunteers to entertain hundreds of thousands of visitors. Il y a encore quelques années, c'était une petite ville tranquille. J'étais sur la scène de crime. Elle avait une marque dans l'oreille qui ressemblait à un couteau ou à un pic à glace. Elle était récente. The city of Fall River used to be known as the town of mills, hills, and pork pies. It's also the spot where somebody gave Lizzie Borden's parents 41 whacks or so. Je ne savais rien de ce qui s'était passé ici. Tout le monde pense à Lizzie Borden. C'était il y a 100 ans. Lizzie Borden n'a rien à voir avec les meurtres rituels de Fall River. Police making the unsettling discovery in a wooded area. Une série de meurtres suivant des rituels sataniques ont eu lieu dans les bois. Si on me disait, aimeriez-vous enquêter sur une autre affaire de ce genre? Trois meurtres liés les uns aux autres, des cultes sataniques. Do you wish to sell your soul to Satan? Je répondrais, vous êtes dingue? Ça a détruit ma vie. J'ai divorcé en plein milieu de l'enquête. Et ça m'a consumé. Ils auraient pu simplement la tuer, mais ils l'ont torturée. It has also been revealed that her murder was a ritualistic killing tied to a satanic cult that exists among prostitutes and pimps in Fall River. Le but de ces meurtres rituels barbares sur de pauvres jeunes femmes était d'offrir leur âme au diable. Satan is the pioneer, the inventor. Avec ses gros titres, meurtres rituels sataniques, culte satanique à Fall River, femmes retrouvées mortes, la population était terrifiée. Ma foi en Dieu s'est renforcée. J'ai beaucoup prié. C'était le mal incarné. Without this so-called evil, there could be no change. Je crois que justice a été rendue. Il a été arrêté. J'ai dit comment ça? Oui, pour meurtre. J'ai dit mais vous êtes dingue. Grand jury murder indictments were handed down today for the death of 20-year-old Karen Marsden. La justice n'a pas été rendue parce que ce qu'on a raconté est un mensonge. I'm going to tell you I'm not writing a book and I'm not making money on what I'm doing. It just doesn't. Ça n'a aucun sens. I'm doing it because I believe it to be the truth. Cette injustice va me hanter. How do we know what is the truth today? I don't think you do. Il y a beaucoup de questions et elles resteront toutes sûrement sans réponse. Personne ne sait, mais maintenant, tout le monde va être au courant. Comment allez-vous? Je ne me suis jamais retrouvé devant une caméra. Qu'avez-vous vu? Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'ai dit à ma mère que j'avais vu des gens tuer une fille. J'étais inspecteur à la criminelle. Tous ces homicides, les 40 sur lesquels j'ai enquêté, les détails de chacune de ces scènes de crime, tous ces cadavres me restent en tête. Des gens venaient me dire,
Pouvez-vous parler à mon fils? Il veut devenir policier. Il ne vaut mieux pas. C'est le pire boulot du monde. Le pire. Mon beeper a sonné vers 6 heures du matin. On m'a dit d'aller au Demand Vocational High School. Quand je suis arrivé, il n'y avait que les urgentistes sur place et les agents en uniforme qui sécurisaient la scène de crime. Sous les gradins, on a découvert un cadavre nu. Si vous aviez vu, je me rappelle exactement comment il était. Son visage était caché. Elle était complètement nue. Il y avait beaucoup de preuves sur cette scène de crime. Je vais vous énoncer les faits. Cette fille avait une batte de baseball enfoncée à l'intérieur d'elle. Elle était attachée avec du fil de pêche. Sa tête avait été écrasée par des pierres. Son visage avait été écrabouillé par une énorme pierre. Nous l'avons apporté au laboratoire du FBI à Washington. Ils avaient un appareil permettant de relever des empreintes digitales. Mais là, ça n'a rien donné. À ce moment-là, on n'avait aucune idée de qui était la victime. Notre objectif était de l'identifier. Il y avait beaucoup de morts à Fall River, mais pas tellement d'assassinats aussi graves que celui-là. Je n'oublierai jamais l'autopsie. C'était au sous-sol de l'hôpital Sainte-Anne. Il y avait une fenêtre au sous-sol. Elle avait été ouverte pour aérer la pièce, évidemment. Mais il y avait un jeune enfant à la fenêtre qui assistait à l'autopsie. C'était très bizarre. J'ai crié « Fiche le camp d'ici !» On avait réalisé un portrait robot et on le faisait circuler. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier. On a rencontré un de ses amis. Il est venu et il l'a identifié. Doreen Levesque, qui était originaire de New Bedford, était en transit. Elle était sans abri et avait eu des problèmes avec sa famille. Elle prenait de la drogue et était vulnérable. Between 1960 and 1973, drug addiction rates among juvenile women increased 6 times more than those of men. Female addicts often turned to prostitution to support their habit. Avec le temps, on a pu établir qu'elle se prostituait à Fall River. C'est une triste histoire. Doreen ne se prostituait pas à New Bedford pour ne pas que les gens la voient. J'ai discuté avec son père. Elle était jeune, elle n'avait que 17 ans. Quand on évoque cette affaire, on pense souvent que ces femmes sont plus âgées qu'elles ne l'étaient en réalité. Doreen avait 17 ans. Elle aurait dû être au lycée, pas dans la rue. L'enquête s'est orientée dans cette direction.
Il y avait beaucoup de drogue, d'alcool et de prostitution dans cette ville à la fin des années 70, au début des années 80. Fall River était un endroit hostile. Il y avait énormément de prostituées dans les rues de Fall River à l'époque. Et même des embouteillages le vendredi et le samedi soir. Il y avait 30 ou 40 prostituées dans les rues et elles fréquentaient un certain nombre de bars dans cette zone. Le Pier 14, le Charlie's Café était un peu plus à l'est. C'était des endroits difficiles. Les seules personnes qui venaient dans ce quartier cherchaient des filles ou étaient impliquées dans ce business. There's a very real linkage between these adult entertainment areas and crime. Ils faisaient venir beaucoup de prostituées de Providence et des environs. Et elles finissaient sur les trottoirs de Fall River. You provide a concentration of activity that is especially attractive to people who want to use sex as a way of committing ordinary crimes. Mais c'était tout près du commissariat. Why is prostitution so open here? Je suis allée vivre dans le sud-est du Massachusetts. C'est là que j'ai entendu parler de cette affaire. Je ne comprends pas comment ce type de prostitution a pu continuer dans cette ville, surtout si près du commissariat. Je ne sais pas si quelqu'un a été payé pour fermer les yeux. Il y a beaucoup de théories du complot. Ces filles étaient plus intelligentes que moi. Elles étaient belles. Je veux qu'on se souvienne d'elles. Elles étaient si jeunes. Elles ont fait les mauvais choix et ont croisé les mauvaises personnes. Elles ne méritaient pas ça. Je savais juste que Doreen Levesque était une prostituée qui avait été tuée. Dès qu'on a su qui était Doreen, on a enquêté dans cette zone. On a parlé avec des gens à qui il avait été dit d'éviter la rue. On a interrogé tous les gens qu'on pouvait trouver. On pensait au début qu'il pouvait s'agir d'un client. On croisait beaucoup d'individus dangereux. Willie Smith permettait à Doreen Levesque d'utiliser son appartement pour se prostituer. Je n'ai interrogé Willie Smith qu'une seule fois, et il a nié être au courant de quoi que ce soit. On est tombé sur Andy Maltais. Il fréquentait des prostituées. On l'a fait venir au bureau du procureur avec deux inspecteurs de Fall River. C'était un des suspects. On l'a interrogé plusieurs fois et il s'est avéré qu'il n'était pas impliqué. La plupart des jeunes femmes qui se prostituaient travaillaient pour quelqu'un. Their business managers, known more accurately as pimps, will arrange for their bail and early release. Doreen était venue à Fall River. C'est apparemment à ce moment-là qu'elle a croisé Carl Drew. On discutait avec des gens qui nous disaient que Satan contrôlait la rue. Et qui était Satan? Bonjour, ceci est un appel en PCV pour... Carl Drew. C'était Carl Drew, un détenu du département correctionnel du Massachusetts. Bonjour. Vous pouvez retirer vos lunettes. Prenez le micro et faites-le passer dans votre t-shirt, jusqu'en bas. Merci. Vous allez bien? Oui. Ça va? Oui, oui. Carl a toujours su garder son calme. S'il était défoncé, ça ne se voyait pas. Vous êtes nerveux? Je suis un peu anxieux de me replonger dans tout ça. C'était il y a longtemps. Oui. Oui. Il y a 41 ans. Carl Drew était connu pour être présent dans la rue au quotidien. C'était un Mac.
Je suis originaire de New Hampshire. J'ai vécu avec un père violent qui était aussi alcoolique. J'étais battu, ça pouvait aller jusqu'au point où je perdais conscience. De nombreuses fois, je me suis réveillé avec un mouchoir sur le nez parce qu'il m'avait tabassé. Le père de Carl le suspendait avec une corde dans un puits pour le punir. Il le faisait descendre dans l'eau pour récupérer les animaux morts au fond du puits. Quand j'ai eu 14 ans, alors que je me faisais frapper par mon père, j'ai décidé que j'en avais assez. Je me suis levé et je l'ai mis KO. Je suis parti et j'ai vécu dans la rue à partir de mes 14 ans. Carl Drew était un voyou. Il était violent, cruel et sans pitié. Je me suis retrouvé à braquer une supérette à New Bedford. J'ai été jugé et j'ai pris 6 ans et un jour. À ma sortie, j'ai dû rester à Fall River, car j'étais en liberté conditionnelle. Il était connu pour sa violence. On savait qu'il contrôlait les prostituées. Elles avaient peur de lui. J'avais la réputation d'être quelqu'un qui n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. D'après ce que je savais de la situation, il droguait ses filles. Comme ça, elles ne savaient pas ce qui se passait. Elles me payaient $200 par semaine pour les protéger. Il ne les protégeait pas, il les exploitait. S'il les avait protégées, il ne les aurait pas envoyées se prostituer. Young runaway girls in particular become prey for pimps who make promises of love and protection. Il se fichait d'elles. Il ne les aimait pas. Ce n'était pas de la protection. What do you think happens to the ones who don't save any money and turn it all over to the men? They become skid row rats. They end up committing suicide, a lot of them. Carl Drew. Est-ce qu'il me connaissait? Non. Est-ce que je savais qui il était? Oui. Il aimait brutaliser les filles. Il n'avait pas peur d'utiliser la force pour qu'elles lui obéissent. Beaucoup de policiers fermaient les yeux à l'époque. Ils savaient ce qui se passait et laissaient faire. Tout se faisait ouvertement, vous voyez? Si les flics ne vous avaient pas dans le collimateur, ils vous laissaient tranquille. Judges often show reluctance to imprison a prostitute since prisons don't seem to rehabilitate people, but make them more hardened criminals instead. Mon amie Diana, quand elle faisait le tapin, il y avait un flic qui passait la chercher pour une passe. Et il ne l'arrêtait pas. Ouais, croyez-moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai rencontré des flics qui ont fait de sacrés trucs. Des contrôleurs judiciaires et des agents de probation se tapaient des filles. Ils les menottaient au lit et menaçaient de les arrêter. Ils ne disaient pas qu'ils étaient flics avant d'être à l'hôtel. Une fois dans la chambre, ils sortaient leur insigne et disaient « On va faire ça à ma façon ou je te conduis au poste. » Tous nos agents travaillaient pour résoudre les homicides. Carl, à moins qu'on ne décide d'enquêter sur lui, ce qui a fini par arriver, on ne prêtait pas attention à lui. Carl inspirait beaucoup de crainte dans la rue. Les gens avaient peur des représailles si jamais il parlait. On connaissait tous les protagonistes, mais il était trop tôt pour tirer des conclusions. Le nom de Robin sortait tous les jours. En gros, Carl était proxénète et Robin Murphy essayait d'être proxénète à cette époque dans la même zone que Carl. À l'époque, Carl Drew et Robin contrôlaient une grande partie de ce commerce. Et ils interdisaient aux autres de le faire. Ils travaillaient ensemble, mais ils se détestaient. Je connaissais très bien Robin. Je l'aimais bien, on s'amusait, elle était cool, elle était un peu dingue. Je savais que c'était quelqu'un qu'il valait mieux avoir de son côté. Robin avait eu une enfance très difficile.
D'après ce que j'ai compris, il y avait des allégations d'agression sexuelle. Elle a eu un parcours très compliqué. Elle a mûri très vite au fil des années. La violence faisait vraiment partie de sa vie. Pourquoi Robin était comme ça? Robin ne se souciait pas d'elle parce que ses parents ne s'étaient pas souciés d'elle non plus. La situation familiale de Robin n'avait rien de stable. Sa mère, je crois qu'elle était barmaid. Elle n'était jamais là. Son père n'en avait rien à faire d'elle. Ma mère n'avait rien à faire de moi. Robin n'avait que 17 ans à l'époque. Mais c'était une personne très violente. Je l'ai vu se bagarrer avec un type devant le Charlie's Café. Ce gars avait 25 ans et il s'est enfui. Elle l'a coursé dans l'avenue, en plein milieu de la rue, et lui a jeté une bouteille de bière en visant la tête. Elle était comme ça. J'étais assis dans une voiture banalisée. On aurait dit que c'était une boxeuse en poids moyen. Elle était féroce. Tous les gens qui la connaissaient disaient qu'au lycée, les garçons avaient peur d'elle. Elle avait une sorte de force. Quand elle se mettait vraiment en colère, elle avait une rage en elle au point d'être capable de casser une queue de billard sur la tête de quelqu'un et de continuer de le frapper. Robin pouvait manger une pizza et vous tuer juste après. Ça ne la dérangeait pas du tout. Dès notre première rencontre, on ne s'est pas entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parlait avec elle, on voulait l'éviter à cause de son comportement et de son tempérament. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait tout contrôler. Elle ne voulait pas être une prostituée. Elle était bien plus maligne que Carl Drew. Elle était sûrement plus maligne que la plupart des gens qu'elle fréquentait. Et peut-être plus que nous. Elle détestait Carl. Carl était le seul l'empêchant de contrôler totalement la rue. Elle avait 17 ans et elle contrôlait toute la rue. Doreen avait été prévenue par Carl et par Robin qu'il voulait le contrôle des revenus de la prostitution. Ils lui ont dit de rester en dehors de leur territoire. En fait, elle travaillait à deux rues de l'endroit où ils se réunissaient. Elle continuait de se prostituer et de trouver des clients. Elle avait du succès car c'était une très jolie fille. Il y avait une dynamique étrange entre Robin et Carl, et Karen Marsden s'est retrouvée au milieu de tout ça. Karen était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. Karen était une gentille fille avec un grand cœur. Quand on était son amie, c'était pour la vie. Elle était toujours là pour vous en toutes circonstances. Sa mère avait été envoyée en prison. Je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais pas ce qui était arrivé à son père. Je n'en ai aucune idée. Karen Marsden était probablement... C'est le cas le plus triste. Ce sont des vies brisées. Elles sont toutes liées à Carl Drew. Karen a travaillé pour moi pendant un an environ. C'était le genre de personne qu'on n'imaginait pas se prostituer. Mais on s'est vu, et je lui ai expliqué en quoi consistait le boulot. Je lui ai dit que ce qui se passait dans la rue, c'était pas un jeu. Elle a dit qu'elle voulait se prostituer. And so they turned to the streets to escape the hurt.
but find themselves becoming victims once again, returning to relationships with adults who exploit them. Je connaissais Karen depuis toute petite. On allait à l'église ensemble. Les gens prennent des chemins différents dans la vie et elle est partie sur la mauvaise pente plutôt que de voir la lumière. Malheureusement, elle a essayé de s'en sortir, mais elle n'a pas eu de soutien. They continue to allow themselves to be used because they have come to expect nothing more. And that is why it is so difficult to reach them. J'ai habité dans son appart pendant un moment. Je m'occupais de son fils. Elle avait un fils de 2 ans à l'époque. Il s'appelait Jay. Il est décédé depuis. Karen aimait son fils plus que sa vie. Elle aimait ce petit garçon plus que tout. Well, I'm the father to Karen Marsden's son. Okay. JJ. What's JJ's full name? Joseph John Alves. Karen was a virgin when I met her. Wasn't no prostitute like everybody says. She used to hang down there because she knew some of the girls, and that's how I met her. But she was a virgin when I met her. Okay. Karen. À chaque fois que je voyais Karen, 90% du temps, elle était défoncée et saoule. And drunk. After the month, au bout de quelques mois, j'ai constaté que Karen fréquentait Robin. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Robin Murphy a su très jeune qu'elle était lesbienne. Karen était l'amante de Robin. Je ne veux pas parler de toute cette histoire avec Robin. Vraiment pas. On a toutes grandi dans le même quartier. Elles étaient amies. Karen ne la voyait pas comme je la voyais. Karen avait eu un enfant. Elle avait des relations avec des hommes. Et elle avait aussi des relations avec Robin. Il y avait un lien émotionnel très fort, ou une sorte de pouvoir que Robin avait sur Karen. Elle se sentait bien avec elle, et elle pensait que Robin allait la protéger, surtout dans la rue. J'ai tout fait pour que Karen nous parle. Karen était le maillon faible. Elle n'était pas stable mentalement. Elle était en détresse émotionnelle. Et elle est restée dans cette situation pendant toute cette période. On pensait qu'elle était traumatisée après ce qui s'était passé ce soir-là ou durant les premières heures du matin sous les gradins. That's Karen telling you this. Karen was telling me that. She yes. was present when we're talking about. You know the girl that was found behind the bleachers. That was Doreen Levesque. Doreen Levesque, right? She says, "Come on with me right now." She said, "I want to take you to the diamond bleachers. There's a girl dead." She said, "Kyle smashed her head in wet rocks." And she was crying, and she was had holy water in her pocket. She was in fear of her life. She said that someone was going to kill her. So they tied the girl up behind the bleachers. They smashed her head in with rocks, and Kyle laughed about it. She implied that guy Kyle that you met, he's going to kill me. I seen too much. I know too much. So you didn't go up there and see the body? I didn't go up there and see it, no way. Okay. Now, Karen didn't come to the police. For what reason? She was scared. Chaque fois que je la croisais, et je la voyais au moins 4 ou 5 fois par semaine, elle avait peur de regarder vers moi ou vers les autres inspecteurs qui étaient présents. Karen était toujours totalement pétrifiée. Karl la manipulait. Il la faisait vivre dans la peur. Il lui disait qu'il allait la tuer. Ils avaient menacé de faire la fête à son fils si elle essayait de partir. Elle a dit, tu vois ce que je veux dire? Ils vont le droguer. J'ai répondu, tu ne peux pas les laisser faire. Il faut que tu parles à quelqu'un. Tu n'es pas un animal. Tu ne leur appartiens pas. Ne les laisse pas penser que c'est le cas. On s'était arrangé pour que Karen vienne nous rencontrer dans une maison de County Street,
à Fall River, là où la sœur de Carol Fletcher vivait. Carol Fletcher était une prostituée bien connue des services de police. On s'est donné rendez-vous là-bas, Karen est entrée et m'a vue. Elle s'est mise à crier. Karen en voulait à Carl Drew. Elle l'appelait le diable. Quand j'ai interrogé Karen, elle m'a dit « Satan sait à qui je parle ». On commençait à entendre le nom Satan. Les histoires de culte n'étaient pas fréquentes à Fall River. En tant qu'inspecteur, je n'avais jamais entendu le mot culte dans cette ville. Detective Alan Alves of the Freetown Police is an expert on satanic cults. This is definitely, you know, indications of Satanism. Je connaissais Alan Sylvia. On avait collaboré sur un certain nombre d'affaires au fil des ans. Freetown est une ville sans histoire. Toutes nos affaires criminelles provenaient de Fall River ou de New Bedford. J'ai travaillé avec de nombreux inspecteurs dans cette région. Karen et d'autres femmes qui gravitaient autour de Carl Drew et Robin nous ont souvent dit que Carl les conduisait dans la forêt de Freetown pour adorer Satan. Satan is the essence of that which dwells within myself. Do you believe in Jesus Christ? No, no, irrevocably not. What did it feel like when you're up on the altar during sermon? Oh, during a ritual? Well, the power starts building up. I guess the power sounds like a real corny word, but it's an adrenaline energy that starts building up in you. Don't ask me just why. I suppose it's you could call it a satanic ecstasy. J'enquête sur des crimes sataniques depuis deux décennies dans la forêt de Freetown. Dans la forêt de Freetown, on trouvait très souvent des croix à l'envers. On a toujours entendu parler d'activités liées à des cultes sataniques là-bas. Alves a longuement enquêté sur ces affaires. The detective admits devil worship is a difficult crime to prosecute. Il trace un pentagramme et Satan est censé apparaître au centre. On trouvait des animaux qui n'avaient plus de sang en eux. Ils avaient été vidés de leur sang. C'était à l'opposé du catholicisme. Ils buvaient du sang au lieu de boire du vin, par exemple. En général, le grand prêtre du culte le mélangeait à son urine ou à son sperme. Je n'ai donc pas tenté d'infiltrer ce genre de messe. Avant cela, l'affaire Charles Manson avait captivé le pays. Avec son projet Helter Skelter, l'horreur des événements en Californie. Quand quelqu'un parlait de satanisme, on pensait immédiatement à ça. Ça se produisait dans tout le pays. Alpine police say five young Alpine men are accused of conducting satanic rituals. Authorities say Satanism is definitely alive in Tucson. At midnight on Saturday night, Satan worshippers don their regalia and gather in groups of 13. Ils savaient que les agressions d'enfants, les viols ou les meurtres, c'était pas bien. All prayers, chants and offerings are directed to the dark power of the King of Hell. Drinking blood is one of the black magic traditions that some satanic covens or groups practice. Tout à coup, une religion leur disait que le viol était normal, que le meurtre était normal, qu'ils pouvaient tout faire. It's their constitutional right to practice any religion they want. Our concern is in the exercise of that religion that A, they're not committing any crimes, and B, they're not infringing upon the rights of other people. Hail Satan! Hail Satan! Il y avait une peur de Satan, mais il y avait une peur plus grande du satanisme et des gens malfaisants. It's not illegal to be a Satanist, and not all Satanists engage in illegal activities, but many do. Some of the illegal activity includes trespassing, cruelty to animals, kidnapping, rape or sexual molestation of adults and children, and murder.
Je n'ai jamais assisté à un rituel satanique. J'ai vu les conséquences de ces rituels. Les gens qui y avaient assisté m'ont raconté ce qu'ils avaient vu. Je ne sais pas s'ils croyaient vraiment à tout ça, mais ils s'en servaient pour garder les filles entre leurs griffes. Elles finissaient par croire qu'une omniprésence régissait leur vie et les empêchait de partir. Carl Drew se faisait appeler le fils de Satan. Il avait le look qui allait avec. Il avait de grands yeux de fou, de longs cheveux filasses. Il avait une horde de prostituées qu'il contrôlait par la menace ou par l'intimidation, en leur disant « On va offrir ton âme à Satan ». Stood in contact with Karen, even though we weren't getting along. Right. I was still because we had the son together. Yeah. She said that Carl Drew took her to the Best Western Hotel on Columbia Street. Now it's an assisted living place. And she said, brought her in a room, and they tied her up, and they dripped blood all over her, and they walked around her room saying in different languages that she never even knew. She said they had big crosses hung from the ceiling upside down and everything. You have to be a certain bit of a showman in the world in order to get ahead. If someone begs to be misused, then I'll be very glad to oblige. Ce n'était pas un culte satanique organisé où ils conservaient un grimoire. C'était une création de Carl Drew pour garder les gens sous ses ordres. Satan sait, Satan va savoir, Satan sait tout. J'ai dit, ils vont sacrifier un être humain, parce que c'est ce qui est requis à Halloween et au 1er mai. Il faut des sacrifices humains. Normalement, c'est un bébé. Il y a plein de macs qui sont violents et qui s'en prennent aux femmes. Ils n'ont pas besoin de dire « je suis sataniste » ou « Satan te prendra ton âme si tu ne ramènes pas $200 par soir ». Carl Drew se servait du satanisme. Ils se retrouvaient dans différents appartements et tentaient d'invoquer le diable. Évidemment, le diable n'apparaissait pas. Mais peut-être que Carl Drew était le diable et qu'il était inutile d'invoquer qui que ce soit. C'est lui qui a fait venir le mal dans leur vie. Ce soir-là, Karen m'a conduit dans la forêt et m'a montré l'endroit où Carl l'avait emmené et la façon dont il voulait tuer son fils. Satan allait prendre la vie de son fils. On est passé la chercher, on a roulé à la recherche d'autels. On essayait de tirer au clair son histoire et elle était incohérente et pleurait de façon incontrôlée. Elle disait que si Carl apprenait qu'elle m'avait parlé, il la tuerait. Elle voulait aller à l'église Sainte-Mary pour parler à un prêtre. En chemin, j'ai appelé mon supérieur et je lui ai demandé si on pouvait placer Karen sous protection. Il a accepté. Elle a répondu qu'elle voulait voir le prêtre et qu'elle ne voulait pas être sous protection. On l'a déposée à l'église. Elle a sonné à la porte du presbytère et les lumières se sont allumées. Le prêtre est venu ouvrir la porte et l'a accueillie. Je suis reparti. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Le lendemain, je crois, sa grand-mère a contacté le commissariat. Le capitaine Andred nous a appelés à l'année moins. Il devait être environ 15 heures. Il nous a informés de la disparition de Karen. À ce moment-là, on savait que c'était sûrement plus grave que ça. Plus le temps passait,
plus les espoirs de la retrouver vivante s'éloignaient. Je me suis demandé pourquoi personne n'avait essayé de l'aider. Où était passé Dieu? J'en étais malade. Les policiers sont venus chez ma mère, à Robson Street, et m'ont interrogé suite à la disparition de Karen. J'ai répondu, je ne sais pas qui a fait ça, et je ne sais pas où est Karen. Mais je sais qu'elle avait des ennuis. Carl Drew faisait partie des suspects, mais ce n'était pas quelqu'un qu'on allait voir dans la rue pour l'interroger. Il ne se rendait pas trop disponible. Il ne voulait pas nous voir. Tous les gens à qui on voulait parler se rendaient dans les appartements d'Harbor Terrace. Sonny Sparda vivait à Harbor Terrace, qui était une cité HLM de Fall River. C'était le lieu où beaucoup de gens traînaient à l'époque. Sonny Sparda avait des antécédents dans le trafic de drogue et le vol à l'arraché. Elle était proche de beaucoup de monde dans la rue, Carl Drew, Robin, Karen. Un jour, Robin a appelé Sonny. Et ce jour-là, les inspecteurs de Fall River étaient chez elle. Sonny m'a autorisé à écouter cet appel. Pendant la conversation, Robin a dit qu'elle était impliquée dans cette affaire. C'est ce qui a permis l'arrestation de Robin. Elle se trouvait entre le marteau et l'enclume. Elle se sentait beaucoup plus en sécurité avec la police qu'avec Carl Drew. Ils ont emmené Robin au bureau du procureur. Elle a levé les yeux, et quand elle m'a vu, elle semblait très en colère. À ce moment-là, elle savait que la police d'État travaillait avec le bureau du procureur. Elle s'est dit que pour obtenir un accord, il fallait passer par la police d'État. Ce qui s'est passé avec Robin, c'est que le bureau du procureur l'a placé sous protection et a quasiment fait disparaître notre implication avec elle. Robin Murphy a vu le procureur et il lui a offert un accord immédiatement. Robin a dit, Carl Drew a forcé toutes ses femmes à vouer un culte à Satan et s'en est servi comme d'un mécanisme pour contrôler leur argent, leur gain. Elle avait été entraînée dans ce culte satanique orchestré par Carl Drew. Il vénérait le diable et organisait des séances avec des crânes posés sur le sol et des bougies, et il parlait dans des langues étranges. Robin n'a reconnu aucune responsabilité dans le meurtre de Doreen Levesque. Au lieu de ça, elle a dit au bureau du procureur du comté de Bristol que Karen, avec qui elle entretenait une relation, lui avait dit que Carl voulait faire une offrande à Satan. Karen Marsden m'a dit que Carl avait tué une autre fille et qu'il était sataniste. Si les filles ne faisaient pas ce qu'il voulait, il les tuerait. Il a avoué le meurtre de Doreen Levesque. Karen Marsden m'a dit tout ce qu'elle savait sur ce meurtre. Karen a été forcée à participer. Carl lui avait dit qu'elle devait donner son âme à Satan et elle avait ramassé une pierre et avait frappé la victime à la tête. Mais Robin n'avait rien à voir avec tout ça. Si elle cessait de faire ce qu'il voulait, elle finirait comme Doreen Levesque.
Karen Marsden a décidé qu'elle voulait quitter à la fois Carl Drew et Satan. Elle ne voulait rien avoir à faire avec ces histoires sataniques. Mais Karen avait été témoin. Carl avait très peur que Karen parle de sa présence et de sa participation dans le meurtre de Doreen Levesque. La mort de Karen avait tout simplement pour but de tuer un témoin, de tuer le témoin d'un meurtre. Carl Drew allait la tuer. Elle était morte. La police savait qu'elle allait se faire tuer et ils ne l'ont pas arrêtée. Je n'y ai pas cru à l'époque. Ils l'ont tué quelques heures après mon départ. J'y repense souvent. Je savais qu'elle en subirait les conséquences, mais je n'imaginais pas un seul instant qu'ils la tueraient. Ils l'ont fait. Karen a été tuée le 8 février. Carl Drew la cherchait. C'est lui qu'elle fuyait. Robin et Karen étaient dans la rue. Une voiture est passée et s'est arrêtée. Carl était dans le véhicule avec d'autres personnes. Il a dit « Montez dans la voiture ». La conductrice était Carol Fletcher. C'était l'une des prostituées de Carl Drew. Dans la voiture, il y avait aussi Carl Davis et Willie Smith. Ils étaient tous les deux des figures du trafic de drogue à Fall River. On est allé dans une zone boisée de Westport. Carl Drew m'a ordonné de sortir Karen Marsden de la voiture. L'histoire de Robin était qu'ils avaient sorti Karen de la voiture, elle l'avait frappée au visage, lui avait arraché tous les cheveux et les avait jetés par terre. Elle a été passée à tabac dans les bois. Quand on était dans les bois, on m'a ordonné de lui trancher la gorge. Karen habitait avec Robin. Elles étaient ensemble. Elles étaient en couple. Le fait que ce soit Robin Murphy qui lui tranche la gorge montre à quel point elle était diabolique. Les chiens policiers cherchaient des traces de sang là où elle avait été tuée, là où on lui avait tranché la gorge. Robin avait peur de lui. Pourtant, elle n'avait pas peur de grand monde. À un moment, Carl Drew l'a décapité. Robin a dit que Carl Drew, le fils de Satan, leur avait dit qu'ils devaient participer parce qu'ils offraient son âme à Satan et qu'ils seraient protégés contre un éventuel retour de bâton. Un cunnilingus a été pratiqué sur le corps décapité de Karen. C'était un meurtre rituel. On a découvert des preuves montrant qu'elle avait été traînée sur 3 km. Il y avait des cheveux, des dents sur toute cette zone où elle avait été frappée avant d'être décapitée. Le corps n'a jamais été retrouvé. D'après les rumeurs, ils auraient joué au foot avec sa tête. Je venais d'avoir 20 ans quand cette histoire est sortie. C'était très choquant. Comment pouvait-on inventer une chose pareille? Carl a mis un coup de pied dans la tête et l'a envoyé en l'air. On n'a retrouvé que la mâchoire supérieure et le reste du crâne. On avait le témoignage de Carol Fletcher. Carol Fletcher a passé un accord pour avoir l'immunité. Les trois hommes ont été inculpés pour meurtre.
Robin a témoigné contre les autres. It has also been revealed that her murder was a ritualistic killing tied to a satanic cult that exists among prostitutes and pimps in Fall River. C'est quelqu'un d'incroyablement barbare et de totalement cinglé. Et qu'il ait fait ça pour offrir des âmes à Satan ou parce qu'il était complètement taré, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. We were able to determine that there may have been more than one individual involved in the crime. There was a lot of fear. Les gens en ville avaient très peur. As far as ils surveillaient où étaient leurs enfants et ce qu'ils faisaient. Je revois ma mère étant très affectée et priant sans arrêt. Quand on a entendu parler de ça et qu'on nous a dit que c'était des satanistes, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Mais on s'est dit, d'accord, ça semble plausible. Je n'y connaissais rien en satanisme. On aurait pu me dire n'importe quoi. On aurait pu me dire qu'ils buvaient une soupe au vermicelle à 18h30, que j'aurais dit, bah si c'est leur truc, c'est bien. J'y connaissais rien. Aucun flic, personne n'est venu enquêter sur moi ou m'interroger. J'étais choqué, c'était bizarre. J'étais accusé de tout ça. Comparez quand même cette affaire à celle de Charles Manson. J'ai toujours eu confiance dans le système juridique. Je n'ai jamais pensé que je me ferais piéger pour un meurtre que je n'avais pas commis. Beaucoup de gens en prison clament leur innocence. Il y a 25 ans, j'ai rencontré Carl Drew, 15 ans après son incarcération. Ce qui me reste en travers de la gorge, ce que je n'arrive toujours pas à digérer, c'est de savoir qu'il est toujours en prison. Cette injustice me hantera jusqu'à ma mort, jusqu'à sa mort ou jusqu'à sa libération. J'apprécie vos efforts pour relater ce qui est arrivé à Carl. L'une de mes plus grandes peurs était d'être condamné à perpétuité pour un crime que je n'avais pas commis. Je n'étais pas innocent, je n'étais pas un ange. J'ai dit, arrêtez-moi pour quelque chose que j'ai fait. N'inventez pas. Ça n'est jamais arrivé. Police take away boxes full of bones and satanic paraphernalia. Do you wish to sell your soul to Satan? Do you drink blood? According to this note, these are just a couple of the questions you have to answer if you want to be a part of this cult. Tout cela avait été inventé pour cacher la vérité. From what the truth was. I was under pressure. Big time. Would you say that they were coaching you and what to say? Yes, I would say that. Il n'existe aucune preuve matérielle reliant Carl Drew à ce crime. Pas une once de preuve matérielle. La nuit où elle a été tuée, j'étais au mariage de ma belle-mère. J'ai des photos de moi sur place. Carl Drew n'a rien à voir avec ces meurtres. When we talk about this crime, it's your position. That you gave false testimony, correct? Tout le monde le sait. Tout le monde.